peuple, on a la question dimanche de la jeunesse. Et j'ai que notre frère dit, moi c'est John Kelly lui, moi ma chaîne dans l'église partenaire chrétien, dirigé par pasteur Enzo Jean-Louis, et moi travaille dans la maison du Seigneur, moi c'est évangéliste, moi ordonné, et moi prêcher la parole de Dieu. Nous avons un ministère que nous avons dirigé qui c'est Cédres Ministries, qui c'est un ministère d'évangélisation. Et je connais que le fait que je suis matin, je suis béni. Vous voyez ça? Amen. Et nous avons vu que je suis campé, c'est parce que c'est pour la première fois que je suis venu à l'église. Là. Et je suis venu avec deux gros mouns encore, qui c'est deux salmis. Salmis Dosley avec salmis Dorcanelson. Et qui c'est ma fiancée, ou quand peut, oui. Mais yo, ça y est. Et est-ce que nous pouvons applaudir, parce que voilà. Ok, merci. Donc, matin, hein, et nous allons parler sur le thème qui, que l'Église là, l'a traité, qui c'est de la grâce abondante à la gratitude totale. Yeah, c'est un bel thème, et nous avons moins réjoui là-dedans. Alors, d'habitude, nous sommes les m'apprécier moi-même en atmosphère. D'ailleurs, qui va dire cela, on va jouer un petit string pour moi, tout petit, et puis pour ne pas parler la parole. Bien que notre frère t'ait fait lecture déjà, même après lire encore, pour ne pas bien cerner la parole de Dieu. Un petit string. La Bible dit dans 1 Chronique 29, le verset 1 à 17. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent. » De l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revertir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être l'or et l'argent pour ce qui doit être argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10000 d'aric, 10000 talents d'argent, 18000 talents d'airain et 100000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jehiel, le Gershonite. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Alors David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père d'Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui donnes sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est dans ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je
Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement de ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu l'Éternel maintenant avec joie, ton peuple qui se trouve ici, t'offrir volontairement ses dons. Ô Éternel, la Bible parlait concernant le roi David. Alors, avant que je me parle sous question offrande, pour me parler sous question gratitude, j'aimerais parler sur le roi David d'abord. Qui était David? Comment ce jeune David capable de devenir roi? Et la Bible dit que l'histoire de David, c'est une histoire que beaucoup de prédicateurs ont prêché. Et puis, for moon, bon, majorité de monde qui l'église connaît l'histoire, ça pas que. Pourquoi? Parce que son message que majorité prédicateur prêchait que Samuel vit loin David. Mais ce matin, j'aimerais accentuer sur comment Dieu fait pour être capable de loin David. Et nous connaissons l'histoire de David. D'ailleurs, c'est une histoire d'un jeune garçon qui était un berger. Et son berger, et Dieu, dans son amour, il décidait pour le bénir, berger ça. Il décidait pour loin, berger ça. Il était jeune. Mais Dieu, dans son amour, il dit non. Moi, dans jeune ça, il y a un monde qui a un cœur. Et le fait que je vais le bénir. Et la Bible dit, la Bible, il envoyait le prophète Samuel pour capable aller loin, il y a un monde qu'il va connaître. Mais Samuel pas connaît. Et la Bible dit que lorsque Samuel arrivait dans la terre là, je crois que c'était à Bethléem. Et la Bible dit que lorsque Samuel entrait, et puis ils font une sorte de sacrifice, ils font une sorte de cérémonie. Et lorsque la cérémonie est en fait, la Bible dit que pendant que des hommes, des fils d'Isaïe a passé devant Samuel, et la Bible dit pendant que le prophète Samuel lui web Eliab, et la Bible dit dans son cœur, il dit certainement le roi est devant moi. Et la Bible dit, instantanément, le même moment, Dieu lui prend la parole. Il dit, non, Samuel, ne prends point garde à son apparence. Pourquoi? Parce que lorsque moi décide de bénir le monde, bénédiction ne va pas à l'autre côté. Ah, je ne comprends pas ce que vous comprenez. Bien aimé, lorsque Dieu décide pour le bénir, même si vous n'êtes pas là, il a voué chez vous. Certainement que Eliab, il avait la posture d'un roi. Parce que la Bible dit que c'était un homme de guerre. Donc, il était costaud. Donc, à l'époque, il n'y avait pas qu'à choisir n'importe quel monde pour être roi. Donc, il faut que ce monde qui a un caractère, qui a une posture, qui a une forme. Donc, mais c'est vrai, monsieur a une forme, mais monsieur n'a pas de cœur. Donc, bien aimé, Dieu n'est pas tant que nous. Parce que nous-mêmes, lorsque nous avons béni le monde, nous bénissons le monde sous sa noue. Mais nous pas béni le monde sous sa grande dent. Ah. Mais Dieu, lorsqu'il a béni, il ignorait ça dehors. Parce que bénédiction, bon Dieu, pas jamais présent, il est pour futur. Ah, est-ce qu'on peut applaudir la parole? Donc, lorsque Dieu a béni, il pas béni pour le présent. Voilà pourquoi que même monde qui a étonné, qui dit, oh, pour Dieu a béni, c'est un tel qui béni. Parce que lorsque il regardait dans le présent, lui n'a pas semblé la bénédiction. Mais c'est parce qu'en d'autres termes, Dieu a tellement sondé les cœurs. Il connaît que bénédiction que le Baoua l'a futile dans le futur. Ah, oh my God. Est-ce que nous pouvons applaudir Dieu ça? Wow! Dieu pas tant que l'homme. Et la Bible dit, Samuel était dans le corps. Il dit, ok, Dieu, ok. Ça, c'est une erreur. Ok. Et puis, tout le fils finit passer. Mais Samuel pas dans une voix dans les oreilles. Il dit, oh,
Après tout fils qui a fini passé, même pas donné aucun monde. Et puis Samuel sentit dans le cœur pour la poser Isaïe question. Il dit, est-ce là tous tes fils? Et la Bible dit que Isaïe dit non, c'est pas tout. Le plus jeune qui va là. Et Samuel dit, va les chercher. Oh bien-aimé, qui t'aime tout bien. Il y a une bénédiction que Dieu a pas où. Ou pas besoin là. Même si vous parlez, vous pouvez chercher. Il y a une cérémonie qui fait. D'après vous-même, même si vous n'êtes pas au courant, mais c'est où Dieu pour le bénir. Waouh, j'aime ce Dieu-là. Et moi, mes dieux, parce que ça, le pour le faire, des fois, il est doux, mais des fois, il n'est pas doux. Parce que s'il est doux, des fois, ou qu'a tellement parlé, ou mourir avant l'air. Donc, il est obligé de cacher certaines choses. Ou pas parler trop. Même avec Joseph, il est tellement parlé, il dit que lui voit tout le monde prosterné devant. Mais il dit, cet homme, son danger lié. À nous dit l'être dans la vie. Et puis, il a gagné une citerne. Pour qui ça? Parce qu'il parlait. Mathieu Mbindou, des fois, ferme la bouche. C'est où le deal? Et la Bible dit, pendant que cérémonie en fait, et puis, le jeune David, il est capable d'entrer. Et ce que j'aime de ce passage, c'est parce que la Bible dit, à la minute que David a entré, et puis Dieu soufflait Samuel, il dit c'est lui. Bien-aimé, est-ce qu'on connaît Dieu qu'on nous? Est-ce qu'on connaît Dieu qu'on adresse? Est-ce qu'on connaît Dieu qu'on taille? Pas grand-rien qui n'en ou que Dieu pas connaît. Voilà pourquoi, même si l'homme n'est qu'à tromper, mais Dieu ne va pas tromper le pas. Parce que Dieu connaît en chair et en os. Et la Bible dit, à l'instant même, et on prend l'huile là, et on vide sous tête David. Mais ce que j'aime, ça veut dire que dans le moment que vous voyez David, ce n'est pas le même moment ça, les chita sous trône. Ça veut dire, la royauté, l'intégrité de David. Même là, il peut cochita sous toi. Ah. Samedi matin, hein, avant de me parler sur question offrande, c'est pour me dire que, bien bagaille, Dieu mettait dans où? Même les gens pour qu'on ouel, mais dans où déjà? Voilà pourquoi, sous mon monde campé, il dit je suis un millionnaire, paradé sous présent. Parce que ça le dit, c'est parce qu'elle l'en lit. Ah. Voilà pourquoi, si mon monde campé, il dit je suis le plus grand. Ou pas besoin de problème. Parce que l'Ika dit, je suis ceci, je suis cela. Parce que Dieu lui plantait l'ennemi. Et la Bible dit, avant même qu'elle vienne sous terre, Dieu connaît nous. Et c'est Dieu qui mettait dans nous le vouloir. Et ça m'a mené un passage là, c'est parce que, après une période de temps, David vit noir. Et la Bible dit que David régnait 40 ans. 40 ans, le jeune David est devenu grand et il régnait 40 ans. Mais il arrivait dans un moment où il parlait. Il sentit que le soir de sa vie, il arrivait. Il sentit qu'il arrivait dans un moment pour être capable d'aller. Il faut qu'on passe à Sion qui fait. Et lorsque David consultait Dieu, David était Absalom, il était plusieurs petites. Mais Dieu dit non, ce n'est pas ni Absalom, ce n'est pas l'autre, mais c'est Salomon. Et à l'époque, Salomon était petit. Il n'a pas de pile parole, il n'a pas de pile sagesse. Il ne peut qu'à parler en public. Mais David dit non. Mon Dieu, le fait que ce trône appartient à mon Dieu. Et mon Dieu dit, c'est où pour me céder. Voilà pourquoi, mes amis, il y a un bagage pour qu'on comprenne. Et Dieu ne va jamais comprendre Dieu. Il y a un pile monde qui compte dans l'église. Il dit, mais les pasteurs mourir. C'est libre pour céder. C'est libre pour le pasteur. C'est pas vrai. Dans sa sagesse, Dieu t'a dit, ok. Même lorsque tu es prédicateur avec, mais pendant que je vais mourir, Dieu t'a dit, me céder. Dieu dit, me céder un jeune. Mais peut-être son jeune qui peut même avoir un art pour le prêcher. Et dans le cas, nous avons dit, mais ça, pasteur a fait là. Qui ça l'a fait là? Qui testament l'a beaucoup là? Mais c'est parce que Dieu communique. Parce que la sagesse de Dieu. Personne ne peut pas sonder ça.
Et la Bible dit, le roi dit à toute l'assemblée, bon, pendant que m'bral mette, le roi Salomon, et m'te promet Dieu, m'a construit un hôtel, m'a construit un temple. Mais le temple de Dieu, Dieu dans sa sagesse, dans sa puissance, il a une capacité pour le construire. Mais il a besoin de support par nous. Il a besoin de cœur par nous. Pour nous capables de rassembler des offrandes. Pour permettre que le royaume ça est capable d'effectuer. Voilà pourquoi que pendant quelle église que Dieu n'est pas capable de bénir, pourquoi ne pas? Mais des fois, il demande ces mêmes mouns qui sont dans l'église là, qui vous fait don avec l'église là pour capable permettre l'église à évoluer. Est-ce que vous comprenez? C'est pas fait, non, Dieu pas qu'à faire. Mais il dit, le fait que chaque jour, nous entendons les paroles, nous venons là, nous adorer, nous entendons la parole de Dieu, nous nous réjouis. Ok, maintenant, donnez des offrandes. Mais avant que je parle sur offrande, j'aimerais parler sur le Dieu qui donne des richesses. Le Dieu qui est capable de donner des richesses. Est-ce qu'on connaît qu'en plus de monde, leur prêcher richesse l'église, ils ont senti qu'il faut dire, marcher sur son modèle? Parce qu'on a prêché richesse. Il y a des gens qui ont aimé, toute prédication, c'est la sanctification. Debout, pas qu'à prêcher sanctification, tu n'es pas de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Parce que Dieu n'est pas une seule façade. Ah. Notre Dieu est saint, notre Dieu est riche. Ah. Est-ce que le peuple avait maintenant? Le même Dieu qui est saint. La Bible dit dans le ciel, un jour après lui, il a dit, saint, est l'Éternel des armées. Oui, ça, c'est la sanctification, c'est sa sainteté. Mais la Bible dit, dans la gloire, dans le ciel, il y a toute une gloire que même Dieu pour Kawé. Ça veut dire, dans le ciel, il y a des richesses. Notre Dieu, c'est un Dieu qui bien chita. Non seulement le saint, mais deuxièmement, il a toute richesse. Voilà pourquoi, Pigot s'est tout étonné, il a parlé de richesse. Parce que Dieu veut une richesse. Si vous voulez recevoir, si vous voulez tout, je ne sais pas. Mais Dieu veut une richesse. La Bible dit, à l'Éternel la terre, le monde. Est-ce qu'on comprend? À l'Éternel, la terre. Et ce qu'elle en fait, le monde et ceux qui l'habitent. C'est-à-dire, notre Dieu, il a une possession, il a une capacité, il a un pouvoir. Et quand plus le monde qui a parlé, qui dit, non, bon, Dieu, où mettre bonne sagesse? Je n'ai pas besoin de richesse. Mais son erreur, parce que sagesse pas marcher sans richesse. Ah. S'il vous plaît, applaudis. Bon, bon temps pour applaudir. C'est ça fait la Bible dit, lorsque Dieu m'a demandé Salomon qui s'en voulait, Salomon dit non, père. Bon, d'ailleurs, papa m'a dit une richesse déjà. Il cédait mon trône. Maintenant, donne-moi la sagesse. Salomon m'a demandé la sagesse. Dieu dit ok. Tu as bien demandé la sagesse. Mais ce que tu ignores, la sagesse n'est pas marché comme ça. La sagesse marche avec richesse. Voilà pourquoi, même l'on parle de richesse, m'a soutenu avec richesse, parce que pas de sagesse sans richesse. N'est-ce pas que la Bible dit dans Ecclésiaste, la sagesse du pauvre est méprisée. De vous pauvre, sagesse ou pas privé loin. Parce que de ça on parle, si on parle dans où, ferme bouche. Ah. Ou pas qu'à montrer comment vous me faites l'argent alors que vous même poche ou vide. Non, sagesse, ça ne va pas prendre. Non, est-ce que c'est pas vrai? Ça veut dire, lorsque vous parlez de bagage, il faut être capable de vous. Donc, sagesse, pas marcher sans richesse. Bien aimé, Dieu voulait nous sages, mais des sages qui sont riches. Ah, combien de monde qui veut bénédiction à terre? Est-ce qu'on peut camper pour applaudir, mon Dieu? Camper non. Camper pour applaudir, non. Moun qui applaudit avec tout cœur. Bon Dieu a fait un bagage pour vous. La fond secret pour vous.
La font secret pour vous. Yes. Font chita dans sa présence. Et ce que j'aime, c'est parce que bien peut-être il y a des gens qui peuvent pas comprendre. Qui dit, mais ça, l'évangéliste a dit là, la sagesse, la richesse, c'est quoi ça? Je vais parler concernant le Luc, le livre Luc. La Bible dit dans Luc, Jésus, il y a un homme qui pose Jésus question, qui dit, Jésus, qu'est-ce que ça me fait pour me sauver? Jésus dit, bon, mon cher, elle vend tout ce qu'il y a dans le pauvre. Et puis après, ou à forme. J'ai senti que il est troublé. Parce que Dieu dit il vend toute sa gagne. Non, pauvre, by pauvre. J'ai dit, ça m'a pas fait. Et même moment, Jésus dit, il est plus facile pour un chameau passer nos jets aiguilles que un riche héritier royaume ciel-là. Mais plusieurs prédicateurs y auraient été dans le passage ça. Mais au passage, lui, reste le passage là. Et pendant que Jésus finit par parole ça, parce que j'aime Pierre. Pierre, c'est un homme qui ne peut pas parler. C'est l'homme qui ne se tait jamais. Chaque fois que Jésus a parlé, il a toujours une parole pour le dire. Jésus dit, je suis le fantôme, et moi son fantôme, mais avancé, il est avancé. Jésus dit, qui est-ce que tu nous mieux? Il dit, tu as le fait. C'est un homme qui toujours a parlé. Mais dans ce moment, Pierre chita. Il dit, Jésus dit, monsieur, vend toute sa gagne par pauvre. Et il dit, le plus facile pour un homme qui pague l'argent, entrez. Pierre dit, t'allez, Jésus, campez là, campez. Sauf ce dit là, je ne sais pas, je ne vais pas comprendre. Et nous-mêmes, car nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons quitté nos familles, nous avons quitté notre travail pour te suivre. Et maintenant là, on dit nous que, pas de richesse dans le royaume là. Des fois, il faut poser Jésus question. Et Jésus aime leur poser la question. Jésus dit, non Pierre. Nous ne pas jamais le passage là. Il dit, Pierre, non, c'est pas de nous que je parle. Je parle de monde qui parle. Mais nous-mêmes qui abandonnons tout ça que nous gagnons pour nous suivre moins. À partir de siècle ça que nous y avons là, m'a béni nous jusqu'à ce que dans le siècle à venir. Voilà le partage pour tout le monde qui a joui Jésus. Ça veut dire dans le siècle présent, ou a béni, dans le siècle à venir, ou a béni. Est-ce qu'on croit ça? Voilà pourquoi j'aime pas la pauvreté. La pauvreté, c'est madichon. Madichon. La Bible dit, le royaume de Dieu, Jésus, il clouait son poids. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est ça que Sagio n'a pas cerné. Parce que comment faire un bois qui maudit? Parce que la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire, un monde qui est pendu au bois, son monde qui maudit. Mais comment un bois qui maudit? Non, un bois qui maudit, qui a coulé une bénédiction éternelle. Ça, je ne le comprends pas. Non. Comment faire un bois qui maudit? Jésus cloué sur un bois, c'est-à-dire l'immaudit. Mais dans le même bois ça, dans le même quoi ça, dans la même action ça, il y a une bénédiction éternelle. Ça, je ne peux pas comprendre. Si vous comprenez, même je ne peux pas comprendre. C'est ça que. C'est peut-être ça la Bible dit que la sagesse de Dieu, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Waouh! Bien-aimé qui t'aime tout bien. Pas dans rien de l'autre côté. Si vous avez besoin de sage, entrez dans Jésus. Parce que même folie, bon Dieu, plus sage que nous. Ou qu'a imaginé? Même les dieux t'a dit, bon, me faire deux coups de folie, nous ne pouvons pas comprendre. Qui dira c'est le sage? Et la Bible dit, David, avec toutes ses richesses, il dit, ok, monsieur, nous allons construire un plan. On nous baille une portion. Qui veut volontairement présenter ses offrandes? Qui veut? On va mettre des couteaux en bas gauche, personne. Mais qui veut?
Qu'est-ce qui sentit dans son cœur que lui supposait bah offrir pour tant ça capable construire. Moi-même en tant que roi, mais ça que m'baille dans toute richesse que Dieu m'a donné. Et après me fin baille, est-ce que parmi nous pas gagne quelque monde qui t'a aimé faire même geste là ensemble avec. Et la Bible dit dans le même moment plusieurs chefs. Yo dit non ça c'est glorieux. Ben nous semer le travail de Dieu. Est-ce qu'on connaît des monde qui aimerait recevoir mais qui pas jamais me baille? Ou pas comme ça? Ou pas comme ça? Des monde qui aimerait faire ça mais qui pas fait ça. Donne-moi. Mais pas fait ça. Bien-aimé, il y a plus de bénédiction loi baille que loi recevoir. Ou qu'elle pas comprendre. Il y a plus de bénédiction loi baille. Bon, des fois, sous senti ou jouer une trop. Préfère ou ta dit moun nan campé. Ou bon trop. Parce que dans toute soif, bon, yon ba jam ba l'autre moun. Gen moun li ta remet toute la kaeli. Faut li charger bagay. Mais il pas ba rien dans sa l'gen. M'ba jen amen nan. Oui, m'ba jen ne. Là, m'commence touche un bagay qui si. A fait bay. Il y a des gens qui t'a aimé bail, qui t'a aimé prend, mais qui pas bail. Est-ce qu'on comprend? La Bible dit, il y a 8. 8 qui sortit dans le pays, côté que Naomi t'allait. Et lorsque elle vient, elle est revenue en possession. Et puis elle est venue comme Marie le mourit. Et Marie, Naomi mourit. C'est seul qui retourne avec Naomi. Elle est venue un moment. Et puis elle a le glané. La Bible dit qu'elle a glané dans le champ. Glané, ça veut dire son faveur. Son faveur. Est-ce que vous comprenez son faveur? Parce qu'il a glané. Il n'est pas semé, mais il a glané. Son faveur. Lorsqu'on parle de la grâce, ça veut dire son bagage qu'on n'a pas mérité. Et puis Dieu barou. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, oui, il n'est pas semé, mais oui, il est capable de glaner. Ça veut dire, même monde qui est semé, le bagage qui joue maintenant, c'est lui qui joue. Parce qu'il a glané. Mais Naomi, dans une idée de sagesse, il dit, ma fille, viens. Est-ce qu'on connaît Dieu pas voyant sous la terre pour seulement aller chercher dans mes mounes? Mais des fois, il veut en possession. Il dit, mais, m'bral boyon, leçon de leadership, ou son leçon de mentorship, pour capable de devenir célèbre. Et qui t'aime tout bien? Dans la chambre, ou glané, ça veut dire Dieu veut baoul. Comme héritage. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est faveur offert. Mais demain, Dieu a baoui pour qu'il fasse notre faveur. Ah. Mais il y a des gens qui veulent rester dans la position pour toujours faire le faveur. Mais qui va faire faveur pour l'autre. Ah, moi, je déclare que pas quelqu'un de l'église qui a payé une faveur seulement. Faut bien faveur. La femme que Marie était mourue, elle parlait contre Élisée. Elle dit, Élisée, oh, on connaît que Marie m'a servi nous, parce que nous sommes prophètes, et Marie m'a servi nous. Et Marie mourit. Je n'ai pas rien pour me payer dette. Et elle dit, je vais prendre de petites moyens. Et puis Élisée, dans une dimension prophétique, elle dit, ok, je vais te poser deux questions. Que puis-je faire pour toi? Pourquoi répondre? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Deux questions. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? C'est-à-dire, Élisée Bal posait deux questions. C'est à lui-même pour le connaître qui ça l'a choisi. Que puis-je faire pour toi? Ça veut dire, c'est faveur fort. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ça veut dire, c'est où pour le bail? Ah. Je vais continuer notre dimension. Et même moment, la Bible dit, la femme, elle ignorait la première question. Elle dit, ok, ta servante n'a rien du tout, qu'un vase d'huile. Et elle dit, ok, ça va. On n'a pas besoin de grand pile. Mais même sous un vase d'huile, je vais te montrer comment on peut faire plusieurs vases. Oh my God. Qui t'aime tout bien? Lorsque Dieu a béni, il n'a pas besoin de grand pile. Ah. Oh. Dieu juste voulait qu'on ait un commencement.
Et dans le commencement, la fête multiplié. Ah, my God. Je sens que quand on a commencé un bagage, où est-ce commencé? Où est-ce commencé? Où est-ce commencé? Où est-ce commencé? Après 2 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, oh my God, vous pouvez louer la gloire de Dieu à travers ça que vous avez commencé. Bien, peut-être que tu es petit. Oui, oui. Bien aimé Dieu, il aime les gens qui ont fait effort. Je suis dans la caoutchouc chaque jour et vous dites Dieu va me bénir. Comment? Avec quoi? Avec quoi? Un minimum. Oh my God, même si vous avez un vase d'huile, même si vous avez un minime, bon, même si vous n'avez pas de valeur avec elle, reste calme. Wow! Lorsque le roi des rois, lorsque celui qui est, qui fait quoi, il va faire le multiplier. Voilà pourquoi papa a commencé petit. Tout le monde qui vient grand, grand jour, a commencé petit. Oh my God, est-ce que vous acclamez pour ça? Wow! Oh my God, je sens, on n'a pas senti la présence de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Ah. Et la Bible dit, tout le monsieur dit, ok, n'abaye. David n'a pas besoin de parler en pile pour ça. Parce que Dieu, en d'autres termes, il nous a bénis. Maintenant, il y a des gens qui connaissent que la bénédiction qui a gagné, c'est pour eux. Bénédiction pas pour vous. Bénédiction pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel. Ah, hey, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire, si on est riche, sans bénédiction de Dieu, il n'est pas béni. Il n'est pas riche. Pour Dieu, il n'est pas riche. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc maintenant, si c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit, deuxièmement, bénédiction pas pour, c'est pour Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on riche, son l'argent, Dieu bon, c'est pour lui. Par contre, si nous comprenons dimension ça. Par exemple, ce matin, le révérend, attendez ça le dit. Il dit qu'on cas. Il peut pas dire qui cas. Mais il dit que c'est nous qui avons même participé dans le cas pour capable résoudre le cas. Les gens demandé, il dit pipiti, mille good. Maintenant, est-ce que tout le monde qui l'a, Dieu pas fait plus que mille good? Est-ce qu'on connaît des gens qui peuvent dire mille good? S'il te dit 250 good, on a baillé 200. Parce que chrétien par un bail facile. Chrétien a prié avant, mais il n'est pas béni. Ma soeur, qu'est-ce que tu as? Oh, mon douleur dans le ventre. Ok, c'est un démon. C'est un démon. Hors de lui. Hors de cette femme. Hors de cet homme. Mais le pape connaît si son gaz. Ah. Bien aimé, la prière ne résout pas tout. Non? La prière ne résout pas tout. Il y a un moment, qu'on a prié la poule. Ça a été besoin en Balil. Je ne sais pas si tu comprends. Ou pas besoin de faire jeûne la Kalil, pas résoudre rien. Pourquoi est-ce que vous faites jeûne? C'est gaz ou vous faites mettre plus dans le ventre. Parce que vous ne faites pas manger pour le faire jeûne. Oui, il y a des gens qui ne sont pas chers pour prier. Enfant, ils ont relevé. Gloire au Père qui est dans la bouche. Gloire au Père, gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit de Dieu, Seigneur éternel, tu sais que servante-là, il a besoin de soutien, il a besoin de soutien. Bah, lui, papa, voyons au corbeau dans la maison. Alors, qu'est-ce que c'est où le corbeau? Où le corbeau a demandé pour un corbeau venir? Et puis, Dieu, dans sa sagesse, et puis, il chute à la bruit. Il dit, est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est? Je l'ai passé dans la jouette. Alors, je voyais pour y aller résoudre le problème, non? L'aile rivée demandait pour un autre corbeau venir. Mes amis, des fois nous méchants. Des fois nous méchants. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si
nous t'ai fait tout ça possible dans nous pour ne pas de monde qui est indigent parmi nous, il t'a plus bon. Parce qu'on connaît à chaque fois que on monde ouais on indigent parmi nous, il y a monde qui pas qu'à manger, il y a monde qui pas qu'à l'école, alors qu'il a servi Dieu. Il dit non, là l'évangile ça me pas faire parce que ça c'est pas rien. Son bagage pauvreté. Comment faire un tel? Il y a 15 ans dans l'évangile, mais l'état ça. Comment faire ça? Mais c'est parce que Dieu, il mettait l'on assemblé. Il mettait le côté que tu as supposé qu'il y ait unité. La Bible dit, dans l'église, dans la première église là, dans l'église primitive, pas d'indigent. Lorsqu'on moun ou un tel a besoin, il y allait, il vend ça le gagne. Il dit non, c'est pas possible pour moun à prêcher la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Pour l'amader. Ça, c'est la gratitude. Seigneur, quand on sortit avec nous, bam pour l'autre tout. Parce que des fois, Dieu ne peut pas faire un travail plusieurs fois. Les Dieu veut sauver un quartier, lui sauver un monde. Wow! Oh my God! Oh! Oh! Yeah! Les Dieu veut sauver un quartier, lui pas sauver tout quartier. Nous sauvons le monde. Parce qu'il y a tellement de monde pour le sauver. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ok, m'espérer, si je sauve un tel, il va sauver le quartier. M'espérer, si je sauve un tel l'église là, il va sauver le reste des gens. Parce qu'il y a tellement de travail pour me faire. Ou imaginons le Jésus, quand que l'officier romain, il prend l'agenda Jésus. Il dit, Jésus, ma fille, est malade, elle va mourir. On a sauvé pour moi, on a sauvé. Jésus dit, ok, dans mon agenda, je vais sauver cette femme et cet enfant. Dans mon agenda, il est réservé pour me sauver. Tout le monde ça. Mais la Bible dit, bon dame. Et dans ce texte-là, je me rends compte que petite là, il était 12 ans. Et la Bible dit, cette femme, qui était pète de sang, il avait 12 ans. Ça veut dire 12-12. Ça veut dire pas rien qui limité. Si Dieu a levé un monde qui mourit dans 12 ans, connaît-il un monde qui est juste pète de sang? Et cette femme, le fait qu'elle parvienne un monde pour aider, au contraire, il t'a supposé joindre une disciple pendant Jésus marchait comme ça. Et puis il campait, il dit Pierre, ok, comme vous côté Jésus pour aller, font prier avec. Oui, il faut prier avec moi parce que nous tellement nous avons pète de sang. Nous avons prier avec moi pour s'arrêter. Tout n'est occupé. Tout n'est. Tout est occupé. Il y a marché à Jésus. Il y a fait cottage. Il s'est dit au pied. Tout occupé. Et puis cette femme lui dit, ok, comme pas de monde qui web, comme pas de monde qui prend calme, nous allons oser faire des choses. Tenez bien. Il y a des gens qui osent faire des choses. Il va même besoin de faire. Parce que dans le temps, il y a des gens qui ont fait. Mais le fait que l'Iwe, pas des gens qui sont bol, dit, ok, je vais oser. Et cette femme, pendant que Jésus a passé, et puis il plap, il touchait que robe là. À la minute qu'elle touchait, Jésus sentit une force qui sortit. Pourquoi? Parce que cette femme, il n'a pas touché pour le plaisir. Parce qu'elle a besoin de bagaille. À tel point, Jésus dit, qui a touché mes vêtements? My God. Et même les gens qui entourent, ils disent, ah Jésus mon cher, j'ai tout le monde à pousser là. Et vous me dites, qui est-ce? Et même j'ai abattu Marie. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. N'est-ce pas que dans Matthieu, Jésus dit, allez, prêchez l'évangile, guérissez les malades, chassez les démons. Les gens tendez, Bartimée a brûlé. Jésus dit, qu'est-ce que nous voix? Il dit, non, Jésus, ah, non, non, vous m'êtes allé. Même si vous attendez, il y a ma, il y a Jésus, il y a cet homme. Il y a un débrouille, elle bénit, il n'y a pas besoin pour l'autre. L'autre a maintenant des affaires, mais lui-même poche lui plein. Bien aimé, bagarre là pas comme ça. Si vous bénit, ben, est-ce que vous croyez ça? Et pour finir, j'aime la prière de David.
béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel, Dieu de notre Père d'Israël. Ah, dans le moment ça, attendez bien. David dit, éternel, Dieu de notre Père. Pourquoi? Parce que Dieu révélé dans la vie d'Abraham avant. Parce que la Bible dit que c'est par Abraham que Dieu a commencé. Voilà pourquoi il dit Dieu d'Abraham. Il n'a pas dit Dieu d'Enoch. Il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire que Dieu a commencé dans Abraham. Tout n'est qu'à venir après. Il est obligé de prendre Dieu ça comme exemple. Voilà pourquoi lorsqu'il a prié, il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. David, dans le moment ça, il dit Dieu de notre Père. Mais est-ce qu'on connaît ce Dieu qui était juste un Dieu pour David? Aujourd'hui, il est notre Père. Ah. Wow. Ça veut dire Dieu, pas Dieu nous encore, Dieu son papa. Là, on a prié, nous va prier tant que David, Dieu de notre Père. Non, mon Père. Ah. Voilà pourquoi lorsque les disciples ont dit Jésus, apprenons à prier. Jésus va dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Parce que dans la dimension ça, c'est la dimension papa. Ce n'est pas la dimension Dieu, mais c'est la dimension papa. Et la Bible dit, David dit, à toi éternel la grandeur, la force. Oh my God. Et la magnificence, l'éternité. Et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Bien aimé, tenez bien, où est prier ça? Si yon pauvre prier comme ça, si yon riche qui compte bon Dieu prier comme ça, Dieu va recevoir prier ça même gens. Parce que des fois, lorsque nous avons besoin de bagaille, nous aimons Dieu, nous aimons flatter Dieu. Oh papa, oh, c'est où que bénédiction, c'est où que ceci, parce qu'on a besoin de béni. Mais est-ce que l'on béni ou qu'on fait prier ça? Ah. Bien-aimé, tenez bien, ouais, ça m'a dit, ça qui est arrivé, c'est pas vrai pour nous. Moi, on connaît. Lorsque de bénédiction, avec la caillou, vous n'avez pas faire effort pour jouer une lettre. Vous n'avez pas faire effort pour jouer une dirie. Vous n'avez pas faire effort pour jouer rien. Vous mettez à genoux à terre. Vous commencez à prier Dieu. Avec tout votre cœur. Tout cœur. Dis Dieu, je sais que tu es le Dieu. Je sais que c'est toi qui donnes les richesses. My God. Attendez, prier ça ne va pas faire même effet. Avec un monde qui ne va pas gagner. Oh papa! On connaît à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme. Parce que Dieu peut contester. Parce que pendant qu'elle dit à l'éternel la terre, c'est parce qu'elle a besoin. Mais lorsque le film gagne, est-ce qu'elle a toujours mis à genoux pour dire à l'éternel la terre? Donc, en d'autres termes, ce que je veux dire, les hommes riches, à mon avis, prient. Semblait un petit genre équilibré plus. Parce que Dieu est cœur. Même nous-mêmes, nous sommes cœur. Parce que quelqu'un, depuis mon Dieu béni, il vient de l'église en état. Il n'est pas venu de l'église à l'aise. Il n'est pas chita même genre à tout le monde. Longtemps, les votre béni, financièrement, il n'y a pas de compte de l'eau, ça ne va pas faire rien. Mais le fait que il y ait moyen dans la poche, il tient à ce que, même j'appelle tout pasteur de l'eau là, il faut que vous ayez de l'eau. C'est li béni, poche li plein. C'est mon orgueil. Dieu pas remet style de moun sa yo. Dieu remet moun, même l'or béni, ou toujours met au bas. Wow. C'est toi qui domine. Surtout, c'est dans ta maison que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir.
c'est bon Dieu qui a le pouvoir pour l'ouvrir, pour le fermer. C'est lui qui a le pouvoir. Ça veut dire, il y a des bénédictions qui sont dans le monde, c'est parce que Dieu ouvre la porte. Tenez bien. Ou pas besoin d'inquiéter pour l'ennemi, parce que l'ennemi n'a pas qu'à voler bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça, me dit? L'homme dit ça, c'est pas pour nous qui mettre Dieu plus haut, notre femme dit ça, c'est vérité. Sors et Dieu bas où, méchant pas qu'après. Donc si ça Dieu bas où, méchant pas qu'après. Donc, préférez ou peut Dieu au lieu de méchant. Parce que méchant pas qu'après, mais Dieu dans sa toute puissance. Si il sentit ça le bas où a tellement plein main, ou pas qu'à faire rien pour lui encore. Il dit, ok, je vais te descendre, madame. Oui, madame, je vais te descendre. Monsieur, je vais te descendre. Donc, cette position-là, il faut orgueiller. Ok. Descends. Parce qu'on trouve en haut. C'est Dieu qui a le pouvoir pour l'agrandir. C'est lui qui a le pouvoir pour le baisser. Bien-aimé, on est qu'à faire champil. Mais on l'a. Oubliez de camper là. Mais c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Voilà pourquoi on va besoin de peur. Font bien pour un monde qui n'est pas à l'école. Parce que c'est Dieu qui bénit. Voilà pourquoi on va besoin de peur. Investi dans le travail, mon Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Voilà pourquoi on va besoin de peur. Notre travail, mon Dieu. Investi dans le travail, mon Dieu. C'est Dieu qui bénit. Même leur font bagaille. Mon Dieu n'a nous mal. Pas occupé. D'ailleurs. Si Dieu n'a pas touché cœur, on va bénir. Donc même si vous faites bien pour un monde, il rend nous mal. Vous mettez bas d'ol. Dis mon frère. Bon, d'ailleurs, ça me fait pour moi, ce n'est pas moi qui fais. C'est Dieu qui pousse me faire. Donc, je n'ai rien pour me gagner avant. Ou capable de moi. Ou ça me fait pour moi, ou vous voulez tourner le compte moi encore. Mais le fait que c'est Dieu qui te dit me bénir, je te bénis. Et moi-même, Dieu a protégé. Voilà pourquoi pas besoin de peur. Pas peur investi, attendez. Pas peur investi. Pas peur investi. Parce que c'est Dieu qui bénit. Lorsque vous faites une croisade, évangélisation, même si vous avez ces dépenses, assez vous faites. Pas peur. Parce qu'on va prendre prier en âme. Le fait que Dieu boit l'argent, c'est parce qu'il connaît qu'il y a une croisade qui va le faire. Il a besoin de l'argent. Pour capable d'aider un homme qui perd Dieu. Que mon Dieu est capable de bénir. Que mon Dieu est capable de restaurer. Que mon Dieu est capable de fortifier. Que mon Dieu est capable de multiplier bénédictions davantage. Dans le nom de Jésus. Et même les pasteurs après prier sous tout le monde qui bénit pour ça la demander. Mais le fait que Dieu voyait, vu un message, ça je dis, je déclare que tout le monde qui va semer dans ce qui va le faire là, que Dieu, pas doublé, pas triplé, pas quadruplé, mais bénis nos niveaux comme nous-mêmes on va t'espérer. S'ouvre cela, applaudis et puis que mon Dieu bénisse. Yeah. Nous demandons assistance.